On va parler dans les prochaines minutes de quelques mythes associés aux dorés. Puis certains de ces mythes-là, on couenne dur. Hein? Les gens croient ça, puis on n'arrive pas à s'en débarrasser. Je vais dire ça comme ça. Vraiment quelque chose que j'entends souvent Alors, moi, dans mon lac, les dorés mordent juste le soir. Ça, je vous le dis d'avance, on me le dit souvent dans des endroits où j'allais pêcher. Tu sais, C'est quasiment. Va pas en pêche dans le jour, là. ça donne rien. Là. Ils mordent juste le soir. Ça je vous l'annonce en grande primeur, c'est faux. Okay? Oui, le soir est une période d'alimentation normale, habituelle pour le doré et normalement, là, si les conditions sont pas très négatives en fin de journée quand le soleil baisse, euh, la luminosité sous l'eau est parfaite pour lui, le doré va partir en chasse. Est-ce que ça veut dire qu'il mange pas pendant la journée Ben non. Vous autres, mangez-vous en clair pas Oh, d'après moi oui, hein. Dans la journée, il peut y avoir des conditions. Exemple, un bon vent qui se lève, là, qui diminue un peu la pénétration de la lumière. Puis, oh, le doré part en chasse. Donc, oui, on peut l'en prendre dans le jour. Puis, même s'il n'est pas en chasse, là, ça se peut-tu que si on lui offre quelque chose de tentant, facile à attraper près de lui, ils le -vous il le prenne? Pensez-vous vraiment qu'il va dire, « Oh, non, 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 on n'est pas le soir. Oui, je ne touche pas à ça. » Mais non, voyons. Fait que, Arrêtez de penser comme ça, on peut prendre du doré à n'importe quelle heure du jour, il faut adapter nos présentations en conséquence et tout ça. Mais c'est un mythe de dire que le doré mord juste le soir. Un deuxième mythe, qui est la coin dure, je vais dire ça comme ça, c'est le fait de dire que le doré, là, il fuit la lumière à cause de ses yeux. Oui, il le feu, c'est en partie vrai. Mais c'est surfait. Là. Les gens ont l'impression qu'il faut toujours pêcher dans 20-25 pieds d'eau euh, dès qu'il y a du soleil, parce que le doré est donc bien dérangé par le soleil. Il faut faire attention à ça. Là. Premièrement, c'est très en relation avec la clarté de l'eau. Hein? Si l'eau est, est assez foncée, c'est qu'après euh, 3 pieds, 4 pieds, on ne voit plus le fond. Bien, la, la pénétration de la lumière n'est euh, pas très grande dans un plan d'eau comme ça. À ce moment-là, le doré, on peut régulièrement, comme un exemple, je suis en ce moment, je suis à Pauvoirie du lac Suzy. On a pris plein de dorés en, dans, les, dans les profondeurs comme 5, 6, 7, 8 pieds d'eau en plein jour. Tantôt, je parlais du vent. Bien, même chose, s'il y a de la vague, ça diminue la pénétration de la lumière, le doré s'en vient moins creux pour manger. Puis dans le lac à doré typique, là, dans 20-25 pieds, c'est les plus petits spécimens. Puis moins creux, c'est les plus beaux spécimens, parce que c'est là qu'il y a le plus de nourriture, puis c'est là qu'ils viennent s'alimenter. Donc, oui, si l'eau est super claire, vous êtes dans un lac, on voit le fond dans 15 pieds, 20 pieds, ça arrive, ben là, euh, oui, là, dans un cas comme ça, il va avoir tendance à chercher un secteur ombragé ou à s'en aller plus creux. Une autre chose que j'entends souvent à propos du doré, ah, le doré, c'est un poisson têteux. Hein, ce qu'on veut dire par là, c'est que... Les picosses, il vient arracher ton bout de ver de terre. Bien, je vais vous régler une affaire. Vous voulez pas qu'ils viennent picosser votre ver de terre? Mettez-en pas de verre de terre. Le doré, c'est un poisson qui se nourrit principalement de petits poissons. Donc en partant, si on pêche avec des imitations de petits poissons, puis qu'on déplace à une certaine vitesse, hein, parce que notre présentation est ultra lente. Pourquoi le doré arrivera en fou puis il vous arracherait quasiment votre canne des mains? La proie ne se sauve pas. Elle, elle, elle évolue super lentement. Si je pêche en jig horizontal, puis je ramène une certaine vitesse, si je pêche au lancer avec des poissons nageurs, si je traîne avec des poissons nageurs, vous allez voir une affaire. C'est pas un poisson têteux. Ça cogne. Fait que ça dépend beaucoup de la façon qu'on le pêche. ça dépend aussi du type de l'air. Hein. Quand on prend des leurres plus gros, ça, les gens aussi ont peur d'y aller avec des gros leurres. Un doré est capable de manger des grosses proies, euh, Moi, ça m'est arrivé souvent avec des leurres de 5 pouces qu'un doré de 2,5-3 livres, livres envale ça au complet dans le fond de la gorge. Fait que quand le poisson mord bien, qu'il y a beaucoup d'activité, grossir les leurres, c'est payant. Les attaques sont plus franches, puis on pogne des plus gros poissons. Un dernier mythe, je dirais... Non, c'est pas un mythe, ça. Je dirais plutôt que c'est une erreur fréquente. Hein, je vais voir des gens ajouter une avançon d'acier, hein, ce qu'on appelle couramment un casse-ligne de métal, là, en avant de leur leurre. Parce qu'ils se disent, ben là, s'il y a un brochet qui mord il va avaler mon leurre, il va couper le fil puis il va me voler mon leurre. Ça peut arriver, mais quand vous faites ça, dites-vous une chose, vous allez assurément prendre moins de doré, puis rarement des gros dorés. Parce qu'ils vont le voir, votre avançon d'acier, puis leur nourriture n'est jamais précédée d'un avançon d'acier. Particulièrement les plus beaux spécimens, ils vont mettre les brakes, comme on dit, ils vont mettre les freins, puis ils mordront pas. Fait oubliez ça, c'est une mauvaise idée. Ah, est-ce qu'un doré, est-ce qu'un brochet, pardon, peut l'avaler au complet puis couper le fil? Ça peut arriver. Mais ça fait partie euh, de la pêche. Il faut accepter ça si on veut faire des belles pêches de doré. Euh, ce que je peux vous dire, par contre, qui aide beaucoup, au lieu d'attacher votre leurre directement au bout de votre fil principal, mettez un bas de ligne de fluorocarbone. Ça, c'est probablement le, le, le type de fil le plus résistant aux dents de brochet. Souvent, moi, dans un lac à doré typique, je prends 12 livres Est-ce que c'est 100% anti-dents de brochet? Non. Mais je vous dirais, moi, 8-9 fois sur 10, que le leur était bien avalé, il coupera pas le fil. C'est déjà beaucoup. Puis j'attrape du doré, comprenez-vous, bien plus que si je me mettais un avançon d'acier. Puis la, le type de fluorocarbone qui était le meilleur pour moi pour ça, parce qu'il est vraiment plus résistant à l'abrasion que les autres, c'est le trilène 100% fluoro. J'espère que cette petite capsule a démystifié pour vous certains aspects de la pêche au doré. Bonne pêche, amusez-vous bien.